Acteur crucial, le préventeur pilote la démarche de prévention au sein de l'entreprise. Un rôle réglementaire conféré par la loi depuis le 1er juillet 2012. APAF propose donc une formation dédiée, en alternance, au travers d'une pédagogie conjuguant théorie et mise en pratique. Exemple à Saint-Priest, où APAV accueille dans son centre de formation un groupe venant de Schneider Electric. Des employés de Thermidor, Blédina, Sidas et un salarié en reconversion y participent également. Schneider Electric externalise son plan de formation sécurité à APAV au travers d'un guichet unique qui est constitué d'une équipe de pilotes techniques, commerciales et administratives pour la gestion de toute leur formation sécurité sur le périmètre France. Pour Schneider Electric, la sécurité est depuis toujours un enjeu de premier ordre. Cette formation est le fruit d'un travail commun avec APAV. Nous travaillons depuis très longtemps avec APAV, qui est vraiment un partenaire quand même très privilégié chez Schneider Electric, et avec lequel nous avons justement déployé plusieurs modules séparés qui ont été rassemblés pour cette formation. L'une de leurs missions, c'est qu'ils ont à la fois autorité, compétences, moyens et une vraie maintenant formation sécurité. C'est vraiment le choix d'un flux managérial pour diffuser la sécurité. Cette formation dispensée sur 5 modules concrétise ainsi un véritable parcours métier. Et grâce à l'alternance, l'application des stages est facilitée car la mise en pratique des connaissances est continue. Au total, APAV mobilise 6 formateurs qui viennent du terrain et qui partagent leurs expériences pour 20 jours de cours, appuyés par des travaux intersession applicatifs. Une équipe enseignante qui réjouit les stagiaires. On change d'animateur, de formateur à chaque session, et que l'APAV a des formateurs qui sont aussi des gens qui font des choses réelles, ce ne sont pas que des formateurs. Et donc chaque module que l'on fait, les gens nous apportent leur expérience du terrain. Une remise à niveau, une réactualisation un petit peu de mes connaissances, et puis surtout un élargissement très intéressant de mes compétences. Très à l'écoute, hein, parce qu'en plus sur la semaine on passait toutes les journées, on mange ensemble, donc même on travaillait le midi, quoi. Non, très disponible, très bonne image, professionnelle. Pour Schneider Electric, les différents participants pourront mettre en application leur formation et améliorer le niveau de gestion de la sécurité. L'analyse de risque fait également partie de leurs nouvelles attributions. À l'issue de cette formation, un diplôme leur est remis. En termes d'évaluation, au-delà des travaux intersessions, chaque participant aura également à présenter un projet de soutenance. Grâce aux études de cas et aux jeux de rôle réalisés pendant ce cursus, ces préventeurs sécurité, santé et protection de l'environnement peuvent diffuser les bonnes pratiques. Ils contribuent ainsi à l'amélioration des conditions de travail. Et si besoin, APAV peut accompagner les stagiaires directement au sein de leurs entreprises à l'issue de la formation.